Compatriotes haïtiens frères sœurs, femmes vaillantes, yo garçons vaillants, yo haïtiens authentiques, gros coup de chapeau pour nous toutes. C'est un grand plaisir, je dis encore, pour me rejoindre sur Channel Paul Tac 509 à tout haïtien connecté. Dans l'émission Mon Éditorial avec Yanick, on a continué par les pays, on a continué brasser l'idée sur tout petit détail qui domine l'actualité. Haïtiens frères sœurs, pays d'Haïti dans le moment nous arrivons dans une phase qui critique. Oligarque corrompu n'a pas décidé de léguer dans la bataille contre le système. Yo tient à ce que le système n'a campé red contre les macaques et faut que régénérer le système pour continuer à faire beurre. Ancien président Jovenel Moïse, il a fait une déclaration. Côté Jovenel Moïse, il a campé pour dire Jean pays d'Haïti pralé là, Jean nèg yo vle fin ak payan, eh bien, si son césarienne qui pou fèt, nous pas ka sauver pays d'Haïti, nan couche normale, eh bien, si son césarienne qui pou fèt, pour nous sauver ni maman ni petite là, eh bien, n'a forcé, n'a bataille, faut que césarienne nan fèt, payan pas carré comme ça. Oligarque corrompu yo pas ka gagner bataille là sous nous et nous pas doué quitter yo gagner bataille là sous nous. Compatriotes haïtiens frères sœurs, système nan li sou route pour le régénérer. Système nan li sou route pour le renouveler. Système nan li sou route pour le perpétuer tête li. Qui ça ne paraît pour nous faire? Nouvelle la tombée haïtiens frères sœurs, bateau qui t'a porté conseil présidentiel transition, li prend un gros l'enmè. Li prend un gros de l'eau, li prend un gros vague. Et bateau si là, li sous route pour le faire naufrage. Haïtien frères sœurs, matin là, gagné ancien premier ministre Claude Joseph, qui mettait dans box li, qui montait ring pour l'affronter famille Lavalas, pour l'affronter ancien président Jean-Bertrand Aristide, Marise Narcisse, Leslie Voltaire, et tout l'autre acolyte Lio. Gen en pile révélation qui fait sous oligarque corrompu sous gros l'argent qui gen tan bay sous contact cap multiplié dans façon pa nèg yo pour nèg yo continuer perpétuer système nan et continuer faire beurre yo nan pouvoir l'état. Yon l'autre bo gen gros scandale qui éclatait dans mi-temps accord Montana dans mi-temps BSA. On paquet message qui a circulé sur réseau a. Gen moun qui dit c'est fake. Gen l'autre qui pas réagi alors que même message ça concerné yo sous complot ka manigancé, sous complot nèg yo mariné, ça te besoin poste ministre, ça te besoin occuper des fonctions dans prochain gouvernement qui a gagné pour monter. Compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est pas ti cause qui gagne. Et par rapport avec turbulence politique ça yo, par rapport avec tout petit toto la lito ça yo, eh bien comme d'habitude, professeur Michel Soukar vient parler avec peuple haïtien, vient parler avec pays. Puis bonnet, j'aime toujours aimer dire, c'est grand matin. Et puis vieux choix journée jodi nous ka fait dans la vie nous comme haïtiens, c'est refuser goumer, c'est refuser défendre pays nous. Gen bagay nous pral connait compatriotes haïtiens frères sœurs. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter, abonner, activer ti cloche de notification et comme ça ou après te connecter avec nous ou pas rater aucun non vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens frères sœurs, nous gagner arabe. Et arabe là pas vinn pour la paix. Parce que partisan, c'est partisan Guy Philippe. Et surtout, il y a un paysan dans la diaspora qui ont même été attaché avec le conseil présidentiel 3 membres Guy Philippe. Et dans le temps, tout Kachoubou ça, il fait qu'on ait toujours un espoir, un gros espoir pour Guy Philippe lui-même, pour le mettre pied la tête si tout bon. Il voulait faire une révolution, si tout bon, il voulait prendre tête l'État. Compatriotes haïtiens frères sœurs, on nous attendait, regardez avec moi. Intervention arabe dans ça qui est pour avec question politique dans le pays d'Haïti. En nous tendant ça. Couleur cette tête là, c'est bien compté, mal calculé, nous pouvons faire gol. Très bien. Je dis regardez pour Aristide Joël Cochon qui va jamais dire un mot, pays à craser, Aristide va jamais dire rien. Mais je dis à la petite pied, faut que premier ministre, faut que président, faut que c'est. Je dis à moi dans pile monde sur les réseaux sociaux qui bat bravo pour Jean-Charles avec Claude Joseph. moi-même, je dis nos bagailles. Nèg sa yo, qui tout te fait choix. Yon moun kan fave peuple là, c'est les ou vinn fait travail peuple là m'ka bat bravo. On y a ken bravo, m'ka bay pour nèg. Écoutez des partage gâteau, Lavalas sous table là. L'organe vient m'a divine pour Marie Zassis, qu'on y a là, c'est lui-même qui porte parole et Lavalas, c'est celle lui-même qui vient la loi au chapitre, c'est celle lui-même. Mais qui s'allie là? Son pays n'a fait? Je dis à Arabe, après t'es cohérent, à Kling bataille arabe. Je dis à Arabe, vini pour le dire peuple souverain. Pas découragé. Diaspora haïtienne, pas découragé. Parce que Arabe, il n'y a pas une bataille pour patrie poche, il y a une bataille pour la patrie, pour le pays. Les n'a pas gardé pour nous, pour lève cette tête-là installée. Pendant qu'on lève cette tête-là installée, c'est dans l'hélicoptère, il y a descendu dans la ville d'accueil. C'est dans l'hélicoptère, il y a descendu par les nationales. Ça veut dire, c'est un conseil qui parle là, qui a volé toute la sainte journée en l'air, mais qui n'a jamais pied à terre dans le quartier populaire. Je dis, nous avons fait un compromis, si nous avons bataille pays, parce que Guy Philippe, c'est lui-même peuple a choisi comme président pour venir diriger le pays. Comme nous, c'est un système qui a besoin de régénérer, une bataille, une campagne en place, une machine que vous mettez sous pied pour démigrer le commandant Guy Philippe. Diaspora a toujours été cohérent à Guy Philippe. Équipe arabe a été cohérent à Guy Philippe. Et ceci, je dis à toutes sortes de fêtes là, pour lève cette tête, à presser, installer, et à presser font choix. Pour seul bagaille, nous tous c'est haïtiens. Si nous avons besoin de faire pays, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de sécurité, nous avons gagné pour y avoir à commander Guy Philippe. Je ne vais pas faire choix pour Guy Philippe. Je ne vais pas dire que Guy Philippe faut l'entrer dans pour lève cette tête. Parce que je dis à c'est un pays n'a fait. Moi-même arabe, même si je gire, je ne dis pas que je cette tête. Mais pendant ce temps, si vous venez à faire des choses sérieuses, je vais battre pour vous. Mais qui va faire des choses sérieuses, Alex Aoukarigli? Je dis, regardez pour Aristide, Joel Cochon, qui va jamais dire un mot. Pays à crasé, Aristide va jamais dire rien. Mais je dis à la petite pied, il faut que le Premier ministre, il faut que le Président, il faut que ceci. Je dis à tout ça lié. Attends, il y a 7 pas qu'à mettre tête ensemble. À toute la majorité en porte, où elle choisit Edgar Leblanc Fils. Edgar Leblanc Fils dans l'équipe crée ça, c'est celle qui a crédibilité devant le peuple. Soit chercher, ou t'as dit qu'on moun qui aime, c'est celle monsieur. Moi-même, et pas parce que m'a shooté sous couleur cette tête-là, je m'a shooté sur Edgar Leblanc Fils. Après, c'est tout son paquet de voleurs, son paquet d'assassins, son paquet de moun, sans peuple là. Non, mais yo compris une bagarre, yo besoin de pouvoir. Yo amène toi, fais nous couper entre nous-mêmes, et puis qu'on y a là, yo pense que, yo prend ramasser ça, mon bonjour matin. Menti. Les nègres vivent ensemble, tu comprends que c'est là. Et parce que qu'on chita avec nous déjà. L'invité l'homme de qu'on chita avec Ariel, de qu'on chita avec André Michel, Marjorie Michel, Nenel Cassi, pour te tuer Jovenel Moïse. Je dis à la, si vite l'homme du foil sous table, c'est parce que tu mettez sous table déjà. Je dis à la, bon bonjour matin. Est-ce que nègres ça yo, force militaire va venir tout? Yé menti. C'est une nègre ghetto, petite sorette yo. Je dis à ma petite, on bagaille la police nationale. Suspend fait criminalité, nous sortir dans un train et peuple là. M'pas face la police, mes amis. Vous pas qu'être si jeunes qui tombent dernier jour là. Qui ça la police nationale la pas fait? Cette femme dit police nationale depuis néglige habillée avec uniforme de la police, c'est policier. Allez, sous son vrai policier, ou pas qu'il tombe dans habillé, vient de bon côté ou. Depuis néglige amende pièce ou, l'IOC, Cafoufeuille, Cité Soleil, Belay, ou sorti, balle tête. Il va poser question encore. C'est pièce ou depuis l'identifié, c'est nos quartiers populaires sorti, balle tête. Je dis à quand pile dans l'équipe arabe là qu'après l'arabe, arabe, nous pas dominer yo, pouvoir monter. Pas me dire nous messieurs, pas me dire grand bagaille. Arabe pas bataille pour moi so gâteau. Gè dizaï canapé vek. Tant d'autres t'as prélem, qu'a dit arabe, ou fait erreur, faut venir dans conseil, dans qui conseil lié là. Je dis à arabe prêt pour coopérer avec tout le monde qui veut faire pays. M'bay nek sa yo 30 jours là pour pas péter guerre entre eux même pour l'une bagarre les amis friser l'autre. Parce que vous avez depuis Kounia, Aristide, Joel Cochon, pas jamais dit un mot, depuis en 2011, PHCK a gagné ses horizons pays, Lavalas a gagné ses horizons pays, SDP a gagné ses horizons pays. Je n'ai pas jamais dit un mot pour le pays. Mais pourtant, des partages gâteaux, Lavalas sous table. Et voilà, compatriotes haïtiens frères sœurs, nous sommes des Arabes qui lui-même l'étape parler. Et Arabe lan li parle et dans déclaration là li dit des séries de bail qui important hein. Arabe lan kon di bail qui important. Et faut moi di nou, journée jodi an, le fait que nous ouais nèg exam yo yo exigé pour yo sous table négociation pour yo considérer yo comme des acteurs et à part entière les arabes blancs nèg yo konchita mais pas menti yo konchita vrai yo konchita et il est tellement vrai que nèg yo journée jodi an que l'était avec politiciens que l'était avec moun nan société civile que l'était avec moun qui gen pouvoir avec question et gang question bandit compatriotes haïtiens frères sœurs nous pral regarder avec moi vidéo ça on nous regarde l'ensemble bon me répondre très clair sur ça oui me travaille dans Cité Soleil et Cité Soleil c'est côté me fait 14 ans et me gagne relation avec Ti Ougan me gagne relation avec Ti Gabriel me gagne relation avec Iska dans Belekou qui sont pour moi aujourd'hui les leaders de ces zones on nous font ti camper là nous à qui est ça. Nous tous nous qui est. Nous est Reginald Boulos, oligarque de son état. N'avance. Mais compatriotes haïtiens frères sœurs, nous sortons des trois noms cités. Moun sa yo Reginald Boulos cité non yo, c'est des séries de moun qui kon chita avec yo. L'autre Reginald Boulos, va parler de secteur privé en Haïti, il gen poids dans balance. L'autre Reginald Boulos pendant 4 ans Jovenel Moïse, c'est yon nan moun qui était très amer. En face Jovenel Moïse, c'est une oligarque corrompu qui te mettait en pile l'argent à terre parce que n'importe gens à terre, le ou la façon, faut que tu charries Jovenel Moïse et jusqu'à ce que tu aboutis dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, journée aujourd'hui, li campé, li dou, li te chita avec Ti Gabriel, Ti Ougan, Iska, etc., etc. Mais moun sa yo li identifié comme des agents communautaires là. La République connaît c'est des chefs de gang, la République connaît c'est des bandits notoires, la République connaît moun sa yo qui sa yo participer contribuer dans mette pays an. L'autre chita avec yo ou chita avec yo, soit dit avec yo, soit fait avec yo. Bon, on nous continue attendez. Je ne suis pas responsable du désarmement des hommes armés de Cité Soleil. Il y a une police nationale pour ça. Et pas rôle moi ça. Mais son seul ba me connaît. Ba j'aime financer nèg pour zam, financer nèg pour match football. Financer pour carrière scolaire, financer pour faire programme social. Parce que quand il y a une absence de l'État dans une zone comme Cité Soleil, Ti Ougan remplace l'État, Ti Gabriel remplace l'État, Iska remplace l'État, Lolo remplace l'État. C'est la réalité. Tikwa remplace l'État, Chinois remplace l'État. Donc vous pouvez même pas de problème avec vous-même. Vous te composez avec eux, qu'on composait à la faculté de médecine, pour vous te passer la dernière, qui va avoir un bon laboratoire, je veux dire, et école normale, qui va avoir un bon laboratoire, ou plutôt composé à ça, hôpital. Non, oui, parce que ces populations déshéritées m'a aidé. C'est mon qui est pauvre, m'a aidé. Mon qui est pauvre, qu'on a dit que c'est au coup des jeunes Cobona, c'est eux m'a aidé. Oui, ça doit être des jeunes Cobona, plutôt. Non, 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 c'est pas Cobona, pas pour ça. C'est devoir responsabilité sociale, moi. Ça n'a pas de problème avec ça, du tout, du tout. Je vais raconter une histoire pour qu'on comprenne. Moi, l'école Cité Soleil qui gagne 2200 timons. Timon n'a pas payé écolage, n'a pas payé uniforme, n'a pas payé droit d'inscription, n'a pas payé manger. Ils ont manger chaque jour. 2200 timons. L'année dernière, nous fait 98% d'approbation, de réussite dans la 9e année fondamentale, l'examen national. 98%. 2000 timons Cité Soleil. Moi, je vais nous don pour me construire une nouvelle école, que m'invite à le visiter avec Radio à le faire un reportage. Le pour me faire appel d'offre, là, qu'on filme l'entreprise qui gagne, film l'a dit, il peut aller travailler Cité Soleil. Je vais le Ti Ougan, Ti Ougan dit, doc, dit, film l'a venu travailler, il n'y a pas qu'à privé le responsable de sécurité. Mais Ti Ougan, nous ne savons pas fonctionner à ZAM. Je ne sais pas qu'on est. C'est pas grave. Si chaque ou toujours sans âme. Bah, j'aime ça, madame Ti Ougan. Mais non, quoi que. Ti Ougan campé chantier 6 mois après. Campé chantier. Moi, je me dis, Ti Ougan, pourquoi ça va au campé chantier? Il dit, parce que le terrain basket là trop petit. Donc. Il dit, oui, même quand 2000 mètres carrés, me demandait la famille Meuse à côté. Si me déjeuner, me tape beaucoup de terrain football. Ti Ougan prenne? Non, Ti Ougan pas prendre. Il va prendre. Là, le jeune papier. Il va l'île. Il va l'école là. C'est ça me compte de Ti Ougan moi-même. C'est l'action sociale que le fait me compte de lui. Mais on va travailler à Anel lui-même. Non, c'était même. Par contre, qu'est-ce qu'il y a Anel là? Bien. Compatriotes haïtiens frères, je me retourne avec cette vidéo ça pour vous, c'est pour qu'on comprenne. Journée jodi, composer avec gang, composer avec bandit, pas prendre comme si son bagage sous-tend des nèg yo fait pour penser c'est son bagage qui nouveau. C'est pas un bagage qui nouveau. Ni pour secteur privé, ni pour oligarque, c'est pas un bagage qui nouveau, ni pour classe politique là. Parce que nèg yo gen ça nan ADN yo, yo gen ça nan veine yo, yo gen ça nan sang yo, yo gen ça nan gène yo. Yo préféré au lieu yo chercher solution à problème non, yo préféré mettre petit pansement sous petit bouton au lieu de chercher origine petit bouton. Donc journée jodi hein, nèg lan te sentir confortable pour comprendre pour l'entrer dans ONA, prend l'argent. Moun qui a cotisé dans ONA, malheureux qui a travaillé dur, qui a baillé l'argent dans ONA. Yo pa gen accès avec l'argent on a. Mais moun sa yo, leur prend l'argent sous prétexte que yo vle aider, yo vle faire l'argent retourner back by soi-disant moun qui t'a supposé bénéficier yo. Comment yo fait? Yo fait à travers des séries de chefs de gang, des séries de chefs bandits. Yo mette dans tête yo moun sa yo comme c'est yo cap contrôler quartier, cap contrôler zone, yo dou moun sa yo c'est des agents communautaires. Yo fait deal avec yo ba yo cob, même là yo connaît cob ça puis devant c'est lui qui va acheter des armes, c'est lui qui va acheter balles, mais yo fait qui te mêlé yo. Pays chaud pas pour yo, yo ka prend hélicoptère courir. Yo pot kokon si yo t'a pral tomber sous sanction États-Unis, Canada. Bon ça yo sanctionné yo bien entendu. Mais ça pas empêcher que insécurité a continuer monter, ça pas empêcher que violence ça continue à faire route dans pays. Parce que fléau ça, plan Machiavélique ça que nèg yo mette là, eh bien c'est nous-mêmes comme haïtiens. C'est nous-mêmes qui dans diaspora, c'est haïtiens qui vivent en Haïti, c'est nous-mêmes ensemble qui pour dire nous pas bailler, nous pas accepter de manière passive, nous rester, nous camper, nous garder nèg yo a pas fini avec nous, nèg yo a touyer petit nous, nèg yo a violer petit nous, nèg yo a détruire pays nous, nous pas accepter, nous pas continuer comme ça. Il est tellement vrai que nèg yo comprend nous tellement passifs, nous pas sous camper, nous pas sous faire révolution, nous pas sous craser système vrai. Compatriotes haïtiens frères chum. Voilà, là nous gagnons secteur privé des affaires là. Ça c'est document côté que yo même par rapport avec conseil présidentiel là et d'ailleurs nous connaissons déjà des représentants dans conseil présidentiel là. Et dans le document si là on regarder avec nos compatriotes haïtiens frères nous déjà ouais diverses signatures en bas. N'a commencé dans signature parce que c'est ça beaucoup plus important. C'est pas qu'on ça dit non, mais c'est moun qui signe, c'est moun qui parler, c'est moun qui continue à parler dans secteur privé et moun ça yo en pile là-dedans c'est des sanctionnés en pile là-dedans pour qui ça sanctionner parce que yo reconnaître implicité et complicité yo gagne, yo reconnaître participation yo dans financer gang, dans créer insécurité en dedans pays. Ou regarder là où est Edouard Boussin. Ou regarder où est Rivén Bidio. Où est Coralie Moscoso, où est Dave Coles, où est Alain Zurek, où est Gregory Meuse, où est Calbron. Mes compatriotes haïtiens frères sœurs, l'Europe garde non ça yo, l'Europe garde moun ça yo k'ap défilé. Là qui soit dit tête tout. Ou dit tête tout que même classe ça, même groupe oligarque ça yo, même moun ça yo qui gen même mise sous secteur privé a, comment est-il journée jodi pour nous dire nous voulons casser système, non nous dit nous voulons faire transition de rupture. Nous dit nous voulons mettre de nouvelles bases en dedans pays et puis nous pral chita. Nous pral chita, nous pral cohabiter avec les agents destructeurs, les agents de la division. Moun sa yo qui contribuaient dans mettre Haïti côté liya là. Compatriotes haïtiens frères chum, eh bien dans document si là, dans note pour la presse ça que secteur privé a remetté de yo et dans date qui était 30 avril 2024. Eh bien, yo pral prendre note que pays en une situation difficile, mais oubliez dit c'est yo créé et que journée jodi en là et gen yon conseil présidentiel qui montait, yo salué Edgar Leblanc Fils comme nouveau président conseil là et yo fait connaître que ça qui gen pour avec opinion publique nationale et internationale avec diaspora haïtienne non que yo soutenu choix majorité en gagné dans ça qui gen pour avec choix Edgar Leblanc Fils comme président transition. Mais pendant yo mettez notre ça de yo compatriotes haïtiens frères sœurs, pas éterniser sous lui parce que pour moi même personnellement notre ça C'est comme si son groupe moun ça yo dou la nuit là, la journée c'est pas li. Bonjour yo pas la vérité. Compatriotes haïtiens frères sœurs, toute bataille qui gagne dedans conseil présidentiel là, batok sou route pour faire naufrage, batok sou route pour couler a, eh bien son bras de fer, son tac au tac qui gagne nan mi-tan oligarque corrompu yo, nan mi-tan qui groupe oligarque qui pral contrôler secteur et qui pral contrôler CP1, qui groupe oligarque qui pral mettre premier ministre, qui groupe oligarque qui influent, qui groupe oligarque qui groupe oligarque qui groupe oligarque. Tout bagaille ça c'est pour un contrôle de pouvoir, son bataille pour pouvoir, son lutte pour pouvoir. Nan mi-tan tout manœuvre, non, mais tout dit la toi, sa véritable perdant, c'est qui est, c'est peuple haïtien. Compatriotes haïtiens frècham, eh bien, Edouard Boussin, Alain Zurek, Rivén Bidio, yo même, moun sa yo te genyen, joueur pa yo te genyen, acteur pa yo te genyen, moun pa yo. Même gens, yon paquet lot, et comment nous relè yo, yon paquet lot, zè fè, y sa tout fait politique, qui ont même continué à faire alliance avec oligarques corrompus, non l'autre groupe, pour yon ka gagner moun pa yo qui influent de conseil là, qui te quand même rivé peut-être conseil là dans l'élection qu'a fait. Mais avant nous rentrer dans dossier tac au tac, bataille qui gagne entre Lavalas, entre Maris Nassou, Ceci Voltaire, Jean-Bertrand Aristide, lui-même li pété coré parce que le te vle se yon pour contrôler conseil présidentiel là. On entendait intervention professeur Michel Soukar. Dans ça qui est pour avec démarche, bataille qui doit mener par bon côté peuple haïtien pour retirer pays d'Haïti dans sa lié là. Compatriotes haïtiens frères, on nous entendait ensemble. Son pays qui est piégé. Tout le monde a fait là. De monter des sons Ariel Henry, qu'on a monté des sons gouvernement intérimaire ça. CARICOM, etc. Tout bagay ça pour mon humble avis. Ce sont des manœuvres pour faire temps passer, pour gagner plus de dégâts, et de façon à ce que le cerveau diabolique ça a planifié tout bagay ça, l'estime peut-être que le moment pour qu'on arrive, pour qu'on ait suffisamment de dégâts, pour qu'on ait suffisamment de destruction, pour l'exécuter en l'autre phase dans le plan que le gagne. Et j'aimerais que classe politique là, que le fait que les piégés, bah qu'on est là d'ailleurs, le Haïtien lui-même, il vient au point que il flotte dans un trou qui est un véritable piège, même j'ai un pays. Et là, le gars de l'ouest, les poucoles dans tout, les désespérés, la paix du bien, la paix de la ville, la paix de tout ça, la paix du pays. Eh bien, on mettait dans une situation côté les parés pour saisir n'importe qui main. Il m'a l'impression que vous voulez sortir dans tout. C'est dans une situation ça que lié. C'est pas des journées aujourd'hui là, non que ça a commencé. Ça a commencé longtemps. Les fois ça tu vas aller mourir. Mon comprenez vous ça tu vas aller que choisir que tu vas aller pour succéder. Non. C'est américain qui t'a décidé que si Jean-Claude Duvalier on dit 18 ans qui pour président d'Haïti parce qu'elle est Duvalier et que Duvalier voulait dire la terreur tout le monde fait. Et nous avons remonté bien avant. Donc ce qui veut dire que soit vous vivez là c'est ensuite de soumission. Donc, politique de domination que les États-Unis exerçaient en un pays, et les gens ne l'acceptent pas. Les gens qui ne l'acceptent pas, ils font gens, soit ils ne sont pas dans un pays, dans les espaces de décision, soit si tu vas aller peut-être mourir pour dimanche, ou bien soit peut-être pour en exil, ou bien soit tu te retrouves en exil dans leur propre pays. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Que c'est que les politiciens haïtiens, Alchita, Alpran l'autre dans CARICOM. Au contraire, il faut nous dire que ça permet nous que degré de vassalisation nous vient plus bas. Autrefois, sous Duvalier, Et après Duvalier, jusqu'à période, il y a peut-être 15-20 ans de ça, le vassal, le domestique politique haïtien, était traité directement avec maître là, le maître à Washington. Qu'on est là, on vient tellement bas, ils mettent tellement bas, ils n'ont pas même traité directement avant. Ils étaient sous-traités avec Dominicains, avec CARICOM, etc. Mais là encore, c'est là que mettre la estimé que moment pour qu'on vienne pour l'agenda, pour l'intervenir directement dans des fonds d'intérêt. Le l'a estimé que moment vini, le ça l'apparaît à clair sous. Et c'est ça depuis longtemps. La première chose, leur estime en bas n'est pas normal, il faut une volonté, il faut un courage, il faut une intelligence pour changer. Et piège la ligne bien placé. Ils mettent en situation côté matériellement, psychologiquement, ou encerclé, ou paniqué, et côté ou pas même réfléchi à mettre en place aucune structure de résistance. Remarquez bien. L'autre société haïtienne garder au fur et à mesure qui gens que vous détruit s'actérer Haïti nous déconner. Dans un premier temps, quand une politique économique dite néolibérale, vous détruit paysannier. Ça a commencé depuis après 1986 et l'accentué qu'on est avec autour Lavalas en 1994. Baisser barrière douanière pour produits américains envahis. Résultat qui baille, c'est que le peu de production locale qui était arrêté, il détruit. Ça a augmenté le chômage dans les campagnes. Ça a accéléré l'exode rural. On vient une série de villes populacières qui éclataient. On vient moins d'exportations. Dollar a fini plus cher. Goudla a effondré. Et puis, ou gagner ça relève émigration qu'a faite en masse, soit légale, soit illégale. La paysannerie haïtienne que nous connaissons, qui était qu'on travaille là, aujourd'hui où est-ce qu'elle est? Elle est en Guadeloupe, elle est en Guyane, elle est dans les champs d'oranges, de tomates de la Floride, de l'Indiana, etc. Elle est au Chili. La coupe est pour le Brésil, et ça l'a fait. Donc, paysanniers d'abord, ils éliminent, parce qu'ils connaissent, ils te connaissent depuis longtemps, depuis une expérience première occupation américaine en 1905-1934, ils te connaissent que Haïti n'existe pas sans sa paysannerie, parce que c'est paysans haïtiens qui sont seuls producteurs. Et c'est paysans haïtiens qui sont vraiment détenteurs de force culturelle pays. La première occupation s'est heurtée à la petite propriété paysanne. C'est là que tu cassé bec. Donc, si vous voulez dominer Haïti, c'est pour commencer par détruire paysannerie. Vous réussissez faire. Voilà. Compatriotes haïtiens, frères chums, vous voulez nous comprendre. Vous voulez nous comprendre et effectivement, derrière tout ça, nous avons passé là en Haïti, je dis, gagner, yon me caché derrière. Derrière tout terreur, derrière tout moun nou e k'ap mouri, m'a regardé hier une vidéo, 5 chiens oui. Son cadavre là yo fin manger viande moun nan net ou c'est squelette là, c'est zoan qui rete avec pantalon qui te sou moun nan. Yo manger le net. 5 chiens, yo n'a jappé l'autre etc. pour yo ka joindre manger. Kounya journée jodi an, nous même comme moun. Oui, et poussière nous y toute bataille, ça moi franchement, par contre qui ça empêcher nèg yo comprendre que journée jodi à leur bon responsabilité pour yo bataille pour yo construire un pays, c'est faire job yo. Parce que nous toutes ces poussières l'homme mourir ou mettre bien belle caille, belle machine, nous pas parler rien. C'est au moins battre pour construire une réputation, au moins gen moun ka sonjou ka parler bien de ou. Bonnes actions te kon fè yo, soit te kon fè de bien, la poursuivre ou la béni génération qui te derrière yo. Mais malheureusement, vagabond ici, c'est malédiction yo traîner. Et comme c'est malédiction yo traîner derrière yo, nous-mêmes tout, nous pas ka gen pitié pour yo, nous-mêmes tout, nous pas ka nan passe pour qui avec yo. Parce que oui, ça qui a passé la plan machiavélique, ça, complot, ça. Yo fait et yo connaît très bien pour qui raison yo fait. Yo fait et yo connaît réellement qui ça l'a traîné d'elle. Yo pas vle nous vivre dans stabilité. Yo pas vle nous kon groupe pays développé. Yo pas vle nous consacrer les relancer agriculture. Yo pas vle nous consacrer les stabilité et yo fait tout ça yo connaît pour yo kembe pays dans situation critique et difficile que li là. Compatriotes haïtiens frères sœurs, si n'a pas appliqué à la lettre principe toute bataille, si n'a pas appliqué à la lettre principe chaque grain haïtien, chaque grain citoyen, principe ça qui dit l'union fait la force. Si nous appliquons, journée jodi en compatriotes haïtiens frères sœurs, n'a saisi ouais nous ka craser, nous ka briser, nous ka reconstruire. Nous est jol facile pour nèg yo, leur besoin moun craser, bay mille goud, mettez moun dans l'arrière craser. Yo fait l'union fait la force. Nous leur besoin déstabiliser, yo fait l'union fait la force. Eh bien nous même pour nous reconstruire pays nous, nous supposer appliquer l'union fait la force. Li pa doué comme si son bagay n'a dit comme ça. Li pa doué yon simple devise. Mais journée jodi nous devons vraiment mettre en application. Compatriotes haïtiens frères sœurs, hier c'était 1er mai. Quel foire gastronomique qui réalisé. N'a regardé dans quelques bon sur canal là, m'a regardé vraiment hier et gagne élève l'école yo vini avec bambou, yo vini planter. M'a regardé dans l'autre zone et qui démarche paysan yo prend pour yo planter petit pied bois. C'est à féliciter. C'est à féliciter parce que au moins la bataille pour nous kembe tradition yo en vie. Mais en dépit de situation, en dépit de tout ça nous cap confronter journée jodi en dedans la République, compatriotes haïtiens frères sœurs, production nationale la bataille pour nous faire canal, bataille pour nous remettre camper l'autre haïtien et l'impossible, mais l'impossible c'est le nous conscient. Et nous avons pasteur Moïse qui réagit. Et pasteur Moïse li réagit, compatriotes haïtiens frères sœurs, mais bien moment arrivé et pour nous garder et tendre ensemble qui ça le tape. Plus gros problème pays nous, c'est un problème de justice et la Bible dit très clair, la justice élève une nation. Et puisque la justice élève une nation, l'injustice abaisse une nation. C'est l'injustice qui rend pays nous contenir là, des nègres qui t'a supposé dans la prison. C'est eux qui ont dirigé le pays, des gens qui sont supposés dans la prison, c'est eux qui ont dirigé le poste. Et même encore, la Bible, c'est le modèle. La Bible dit que si on ne peut pas gérer propre maison, comment on peut la gomper? Il y a des gens qui sont vagabonds, madame, ils à l'étranger, petit, ils à l'étranger. Ils n'ont pas même gagné, ils ont amour familial. Si petit, ou pas avoir, pour l'abdomen, ou madame, ou pas avoir, ou son robot. Et puis, la dit que madame avec mari doit ensemble. C'est ça que la majorité des gens qui sont au pouvoir, ils n'ont pas gagné en Haïti, ils n'ont pas gagné en Haïti, ils ont gagné madame, petit, à l'étranger. La vie que madame petite l'école à l'étranger, c'est pas mêlé pour les grèves, pour ne pas à l'école. Mais je dis à nous que nous prenons encore l'excellence. Ma petite de ça, que serpent à 9 têtes ou bien à 7 têtes qui gagnent, pas qu'à régler pour payer. D'ailleurs, les gens qui ont seul, ils pas qu'à régler, allez voir un conseil de 9, même c'est gourmet, pas le gourmet. Nous avons seul bagage qui a été dehors, c'est le fédéralisme, une fois encore que chaque département, donc gouverneur là-dedans, la GEC fait le département, pour 80% arrêter dans le département, pour faire développement durable, et c'est ça. Kabete nous dehors et li urgent pour nous prendre la rue parce que nous battons bravo trop des vagabonds qui crasent pays, des vagabonds qui boule caille, des vagabonds même la caille dans zone la caille, quartier la caille charge avec patra, il pas jamais faire. C'est que pas gérer quartier la caille. Comment faut pas laguer un pays dans mille et Bible bien dit, sou pas gérer une maison ou pas gérer une fois encore que l'église bon Dieu. Alors c'est pour nous garder que moun n'a choisi comment gérer la caille. Comment gérer le voisinage, comment gérer la zone de la caillou, laissez nous faire confiance. Nous croyons dans le dilatoire de monde qui fait discours sur discours qui ne va jamais porter rien. Nous devons juger l'homme par action que la commettre, par ça que la poser pour nous. Est-ce que réellement, c'est des patriotes que les yeux nous doivent l'ouvrir sur le mode de dirigeant que nous avons. Même dit encore, la République de Port-au-Prince doit finir pour nous gagner une fois encore qu'une République fédérée, 10 départements, 10 gouvernements. Je prends un exemple. Par exemple, le Nord-Est seulement. Il y a environ plus de 600 millions de gouttes qui parlent de Port-au-Prince chaque mois. Et 600 millions de gouttes qui parlent de Port-au-Prince chaque mois, ne sont pas représentés en rien dans l'État, ça t'a supposé collecter parce que c'est l'État insouciant. Ou elle faut carte d'identité, pas de signal. Ou elle fait matricule fiscale, pas de signal. Ou elle paye une plaque machine, pas de signal. Laisse ça que l'État pas collecté, ça l'État supposé collecter. Et plus que l'État pas collecté, soit de la négligence, il y a 600 millions qui parlent de Port-au-Prince, sans compter ça, il y a bien encore un gouverneur qui soucieux, et bien encore que ou qu'a fait n'importe combien de milliards de gouttes par mois dans le département nord-est, et un milliard de gouttes capable de faire un pile route agricole, capable de faire un pile route, une fois encore surtout avec usine asphalte que le président Jovenel Moïse quittait là, que Negio quittait là, pas faire rien, tout route a crasé. Mes amis, à nous mettre maintenant par là, Haïti, c'est pour nous, à nous lutter ferme au poste. Oui, nous sommes capables de mettre le pays dehors dans sa vie. Et voilà, compatriotes haïtiens, frères sœurs, nous sommes gardés, attendez, pasteur Moïse, qui lui-même, il tape, réagit. Si vous avez qui est extrêmement important, qui prend pasteur Moïse à qui est la cœur, c'est question fédéralisation. Bagay ap bay nèg Port-au-Prince l'argent pour aller bien passer à l'acheter deuxième résidence, à l'ouvert corps. Vous comprenez? Non, non. Chaque département doit jouer aujourd'hui à kage autonomie. Chaque département qui répond, tu as supposé qu'il répond avec besoin habitants qui vivent dans le département, dans la commune, et qui sous contrôle le département. Mais ce n'est pas ça, nous. Tout ça qui fait, toute sa commune fait, yo pote yo bay et Port-au-Prince. Chaque sa département yo fait, yo pote yo bay Port-au-Prince. Et puis après, c'est même Kabdou. A commune ça, yo pas ka répondre tête yo rien, yo pas ka utiliser tête yo rien, yo pas gen kob, mais ti kob yo fait à nous prendre nan men yo. Nous vinn gagoter yo dans Port-au-Prince. Nous vinn gagoter yo. Donc journée jodi an là et vraiment faut nous poser problématique décentralisation, faut nous poser réellement. M'a regardé dans sud pays gagner plaidoyer qu'a fait là pour sud pays pour gagner aéroport international Pal. Oui, chaque département t'a supposé gagner payo, chaque département t'a supposé gagner aéroport international. Journée jodi en la gade Port-au-Prince bloqué, tout le monde bloqué, la vie tout le monde vient misérable à cause de Port-au-Prince. Yo fait tourner capital économique, capital politique yo, et puis nèg yo a fait beurre yo qui te mêlé yo à malheureux qui te mêlé yo. Parce que yo même depuis yo gen oligarque nan poche qui pou ba yo kob, yo ka brassé, donc yo pas cœur de la vie reste moun, yo pas cœur de ça l'autre moun ka régler yo même. Donc eh oui, faut nous parler plus souvent de question de décentralisation, de question et fédéralisation, même le et fédérer pays d'Haïti c'est à travers une constitution, me toujours aimer dire ça, et pour nous pas penser son bagay et qui simple comme bonjour, un bagay magique avec un seul coup de baguette n'a fédérer pays non. Bah yo pas comme ça. Donc, gen pile point de débat nous ka fait et journée jodi an comme moun ka penser pays. Et avant nous continuer compatriotes haïtiens frères sœurs, mais faut que nous prenions un petit temps pour nous souhaiter yon joyeux fête d'anniversaire avec yon l'autre ami émission ka fêté jodi an. Et c'est monsieur Jean Lafalaise Camille qui a fêté yon nouveau printemps jodi an, c'est fête garçon variant ça nous est là. Et qui vraiment tient avec le pays. Ah, m'a caché dit non. En pile préoccupation pour cause du pays d'Haïti. Mais nous connaissons situation vraiment difficile, mais nous avons espoir et nous bataille pour l'autre Haïti. Très cher et enjoy journée. Amusez, faire cœur content, continuer à être monde positif que vous montrez mouillé, continuer à partager énergie positive ça que vous gagnez dans ou même dans être belle dans belle monde ça. Et du même coup, n'a souhaité une joyeuse fête à toutes leurs amis qui a fêté en occasion spéciale jeudi 2 mai et même leur pas dit ça, même penser à avec vous parce que on n'est pas capable penser à on pas capable penser pour vous et n'a souhaité une joyeuse fête. Continuez à partager l'amour, continuez à briller, continuez à partager l'énergie positive là, parce que c'est seul ça nous qu'a quitté comme marque de passage, nous tout bouter ça. Faites ça qui est bien, faites ça qui est positif, partagez l'amour et puis vivez la vie nous. Donc continuez à grandir, continuez à vivre, continuez et faites ça nous aimer parce que c'est extrêmement important pour nous épanouir. Donc Camille très cher, enjoy journée, on va quitter aucun monde dérangé et puis continuez faire ça qui est positif pour avancement personnel ou pour avancement et communauté ou à évoluer là-dedans et puis toujours songer ti sœur à continuer bon love là ti sœur aimer en pile et n'a toujours là pour nous conseiller une l'autre. Et compatriotes haïtiens frères sœurs, nous connaissons déjà depuis mois mai à rentrer, traditionnellement c'est moi maman yo, c'est moi femme yo, c'est moi maman yo. Donc année ça encore oui. N'importe gens ça y est, programme fête maman, li a fêté. Nous connaissons moi-même toujours là pour me penser avec l'autre compatriote, toujours là pour me penser avec les gens qui sont dans une situation qui est un peu difficile, qui est vulnérable, pour nous toujours aller chauffer cœur, pour nous toujours aller mettre un petit sourire sur les lèvres, montrer aux gens qui pensent avec eux, montrer aux gens qui pensent pour eux, montrer que c'est important dans la société, ils ont une place dans la société. Et oui, le programme Fête Maman l'a lancé, et Jean nous connaît déjà, les amis toujours connaissent, il y a des gens qui tout le temps demandent, même avant moi, mais arrivé. Est-ce que vous avez gagné un programme Fête Maman? Oui, le programme est lancé. Ou même qui voulait participer, ou même qui voulait aider nous à le faire. Et que 100, 150, 200 mamans contents. Et pour l'occasion Fête des Mères, c'est le dernier dimanche qui a 26 mai. Donc, n'attendons-nous. Nous avons de support, nous avons de contribution. L'année dernière, nous avons reçu près de 200 mamans. Nous fêtons avec eux, nous avons fait... comme décalé ça. Nous t'ai mangé ensemble, nous t'ai amusé nous ensemble, nous t'ai baillé et on t'y souvenir, on t'y kichoy pour yote ka al régler on t'y activité pour yote ka on t'y bagay nan men. Yo ane ça encore. N'a continué penser pour yo, n'a continué penser avec yo. N'importe gens ça ou même qui veulent contribuer ou même qui veulent supporter l'initiative là. Pour faire que un maman content, pour faire que une femme content, pour supporter un monde qui est dans une situation difficile. Et maintenant, non pas hésiter, relais m'écrire dans le numéro émission pour dire Yanick, bon année ça, m'a participé avant dans programme là, m'a participé avant dans Fête Maman pour nous faire que yo content. Nous on fait déjà et n'a continuer faire ça, nous on fait ça nous café et c'est ensemble nous toujours réaliser projet. Donc, vous comptez sur support, vous comptez sur contribution. Pas hésiter à les mettre dans le numéro émission pour nous continuer à parler sur le programme Fête Maman. Et nous avançons. Nous retournons dans le dossier politique. Compatriotes haïtiens frères sœurs, nous gagnons ancien Premier ministre Claude Joseph. Matin là, Claude Joseph vini, il n'a pas décidé de vague. Lavalas dit pas de vague. BMI dit le pape Bayvag. Là, on dit BMI, tout connaît, tout met dans tête, tous ces blocs majoritaires indissolubles. Est-ce que l'indissoluble, vrai compatriote haïtien, frère soeur, Mbakadjou? Mbakadjou, est-ce que l'argent pas diviser? Mbakadjou, est-ce que l'influence oligarque pas diviser? Mais c'est comme ça, les têtes. Et l'important pour nous attendre, ensemble avec comment bataille, comment match a déroulé entre Claude Joseph suite avec intervention qui fait par bon côté et divers autres représentants minoritaires dans le Conseil présidentiel et transition. On nous tendait ensemble qui ça Claude Joseph lui-même dit et qui ça a été avancé comme argument par rapport avec et choix au fait de Edgar Leblanc Fils pour jouer rôle président des présidents en dedans Conseil présidentiel. Pas travail là, mais il voulait d'abord clair sous notre qui était sorti hier soir, et bloc majoritaire là, nous-mêmes aider, nous, notre là c'est notre panneau, et notre là, c'est vrai les par une, nous toutes patakassiens au niveau de bloc ou bien compromis et des raids. Donc nous-mêmes, notre là c'est notre, tout le monde, tout le groupe ou extérieur, il n'y a pas de désaccord sur notre là, ça clair parce que m'entendez intervenant qui sorti par l'état là dit que notre chose habituel gain de monde qui sien yo donc notre ça yo pas ouais non monde qui habitué sien yo par exemple pour raid et des compromis donc nous même nous pas gain problème ça et depuis une sien c'est nous tout sien et nous pas gain problème ça tout et au niveau de conseil présidentiel là. C'est ça que fait non pas qu'un B représentant nous bien désigné nous non coup non pas central donc parce que nous pas en insécurité donc gagnons accord de principe qui existait entre nous-mêmes avec conseiller président Smith Augustin au niveau du conseil donc et ça c'est un bagage qui est important parce que les gens méfiance ou qui dégage ça produit. Donc, nous-mêmes, nous pas gagné problème ça dans mi-temps nous. Donc, c'est ça que fait ouais, que nous pas et a fait des bagailles dépendamment entre ça désigner nous ou bien entre ça représentant nous dans conseil la fait ou bien abdi et nous-mêmes comme secteur. Ça c'est important pour me déposer clarification ça. Deuxième clarification, je voulais parler du lieu de un représentant de un secteur qui était dans primature et jour élection. Je voulais parler parce que gen bagay la presse pas connaît et gen bagay et moun k'ap tande la yo pas connaît. Évidemment, il y a un accord qui était joint entre quatre secteurs et qui désignait un président candidat, président unique qui c'est sénateur Edgar Leblanc. Il arrive que accord ça il futé. D'accord? Il arrive que accord ça futé et avant conseiller rentrer en dedans, il apprend un accord qui signe entre quatre monde et conseiller de dire eh ben nous pas besoin de perdre du temps nous puisque Guetan gagne 4 sous 7 comme accord 3 avril là les prévoit Guetan gagne 4 sous 7 et eh bien seulement ça nous va le faire en dedans n'a rentré dans son proclamation et n'a dit que n'a fondons l'accord mais au bail condition et ça c'est secteur on va prendre les minoritaires mais c'est l'autre groupe là qui dit faut nous dit peuple là tout dans accord nous trouver nous t'ai désigné ou bien proposer un candidat pour comme au poste de premier ministre. Nous pas comprendre pour qui ça yo t'ai demandé ça, c'est yo qui demandé ça. Mais comme nous non dynamique d'entente de compromis, le quitter ça fait et ça c'est candidat l'autre groupe là qui dit fuck et on dit ça. On essaie de comprendre, Dr Joseph, on essaie de comprendre. C'est-à-dire vous autres au niveau du bloc majoritaire, il n'y a pas de jamais question pour nous dévoiler candidat pour poste premier ministre. C'est l'autre groupe là qui m'a demandé nous ça. Non, il n'y a pas de jamais question. Comme nous avons une question de transparence, et comme by crédit à tout, à sénateur Gadi Leblanc, président conseil là, coordonnateur conseil là. Il n'y a pas de dynamique si on tient accord sous côté. D'ailleurs, il y a une bagaille que le fait, il demande pour porter accord à Bali pour finaliser. En dans même bon côté tout l'autre 9 conseillers c'est pendant la signé accord et que mon dit mais gon accord là si gon accord là nous pas obligé à faire élection à faire mascarade ou bien pas même mascarade mais quand même à perdre du temps à faire bagaille puisque nous connaît gon accord là en nous entrer en dedans dans 10 peuple là que c'est Edgar Leblanc les supporters Alpha Jean ils ont été au courant. Tout le monde ça yo dette, c'est tout qui mettait au d'accord. Yo tout mettait au d'accord sur ça. Donc et là moi-même moi dimension et politique haïtienne les après cérémonie tout le monde d'accord et puis moi entendais gagner de parler en pile. Bon m'pa ouais véritablement bien parler en pile sous présidence là ou bien coordonnateur parce que tout le monde nous connaît qui est qui Edgar Leblanc. Pour qui ça, c'est pas une récompense majorité à bas égal. Le plan, c'est pays quand même. Donc, nous pas discuter ça. Donc, je voulais faire point ça. Il est extrêmement important. Troisième, ça m'a fait, c'est analyse et accompagner d'une série d'informations. Mais pour majorité que tu as constituée, il n'y a pas de gagner Petit Dessaline aidé. Il n'y a pas de gagné 21 décembre. Il n'y a pas de gagné. Et probablement, il n'y a pas de gagné et sénateur Leblanc. Mais pour majorité, sous initiative M. Edouard Boussin, qui t'a pas constitué. Donc, majorité Edouard Boussin. Edouard Boussin, homme d'affaires. Un homme d'affaires. Majorité Edouard Boussin, t'a gagné. Secteur privé, Lavalas avec Ondana. Majorité, ça t'a bon comme c'est. Leur majorité, c'est la bonne. La nôtre, majorité pas nous, pas bon. Parce que majorité pas nous, il y a Petit Dessaline, il y a Jean-Charles Laden. Majorité pas nous, il y a petit Claude Laden, il n'est pas bon. Donc c'est majorité pas qui bon, majorité que Edouard Boussin prend en pile réunion pour organiser ensemble, yo quatre là, ou bien yo trois d'abord. C'est eux trois qui ont construit une majorité. Donc la majorité de M. Edouard Boussin est la bonne. Notre majorité, c'est la très mauvaise majorité. Parce que les pas qu'à gagner Moïse Jean-Charles Laden comme instigateur. Les pas qu'à gagner Claude Joseph Laden comme instigateur. Donc, ça qu'a fait là, il faut nous comprendre. La démarche de ce groupe, pas pour les minoritaires, n'est pas seulement antidémocratique, mais c'est une démarche raciste et discriminatoire. Il faut que le pays comprenne ça qu'a fait là. C'est une démarche raciste et discriminatoire. Parce que, bien pensant, les gens qui gagnent l'argent dans le pays, le secteur privatif là, le secteur privé, c'est comme ça Michel Soukar. Ce secteur privatif, c'est lui qui pour gagner droit de vie et de mort, droit de vie sur tout ça qui a passé. C'est eux-mêmes. Donc, comme c'est la majorité de ces fils de paysans, comme c'est la majorité de Moïse Jean-Charles, comme c'est la majorité de Ti Claude, donc c'est pas la bonne majorité. Cette majorité, c'est la majorité d'un secteur mafieux. Et écoutez, c'est grave que de monde signer un accord politique 3 avril 2024, nous 9 siens, nous mettons d'accord, nous avons des désaccords, mais nous d'accord quand même, nous signons bagay. Nous faisons un événement historique. Maintenant, puisque ce n'est pas où qui est présidence là, ou organiser, ou créer un narratif pour discréditer un ensemble de monde, tant que Edgar Leblanc, tant que Maurice Jean-Charles, tant que Claude Joseph. Et là, je ne pas plus de faire personnalité, mais puisque nous savons une majorité qui a 4 secteurs, collectif 30 janvier, Red et des compromis, 21 décembre, Petit Dessaline, donc comme c'est majorité de Mounsayo, et Mounsayo sont secteur mafieux. Mais qui ne pas connaît, qui ça a fait pour que la majorité qui est constituée pour gagner le contrôle présidentiel? Maintenant, je ne pas dire que les gens qui ont pris le contrôle de la présidence, parce qu'ils ont une majorité, c'est eux-mêmes qui ont fait tout le bagage. Je ne pas quoi c'était ça qui était dans le tempérament. Je ne pas quoi c'est ça qui était démarche là. Mais M. Edouard Boussin de la Unibank, c'est lui-même qui a constitué la majorité ça. Comme majorité panouan, il dégage. Comme majorité pas noire, on finit, oui. Comme majorité pas noire, pas dégagée avec l'argent, dégagée avec à partir d'une intelligence politique, donc cette majorité dérange. Cette majorité dérange. Oui. Cette majorité dérange parce que la démarche contestataire n'est pas seulement une démarche antidémocratique, elle est raciste et discriminatoire. Faut qu'il y a comme ça. Il faut reconnaître que c'est une démarche raciste et discriminatoire. Que les gens dans le pays, c'est eux-mêmes qui sont des ayants droit. C'est ça la démarche. C'est ça la démarche aujourd'hui. Claude Joseph. Or, dans l'accord politique, bon, ça me finit. Dans l'accord politique, il prévoit pour la majorité, c'est soit nous joindre un consensus entre nous toutes. Oui, je définis consensus là, parce que consensus, depuis la majorité, c'est consensus. C'est soit nous jouons nos bagages entre nous toutes, ou bien une majorité de 4 sur 7. Donc, on est dans l'accord. Et puis, quel est le problème? De trouver un accord, pourvu que l'accord trouvé ne soit pas en désaccord avec l'accord initial. Mais l'accord du groupe majoritaire n'est pas en désaccord avec l'accord initial. Il faut un désaccord. Priorité accord, ça, c'est pour faire transition réussie. Rien d'autre. C'est pas un accord qui prend entre deux mondes pour contrôler. Pas de monde qui a contrôlé la transition là, je dis. Heureusement. Pas de monde capable. Pourquoi? Donc, il était important pour nous faire clarification ça, je dis. D'accord. Exposer réalité là. Parce que intervenant ne peut pas l'État, il a travesti, frère. Il a travesti la réalité. Il n'a pas dit, moi, je m'attendais, je ne comprends pas qui ça le veut, qui ça le pas veut. Il dit tout et contraire à la fois. Oui, okay. Claude Joseph, je t'ai demandé, là, parce que moi, on insiste un peu sur Edouard Boussin. Est-ce que, dans le niveau pas de l'autre monde dans le secteur privé hein, qui eux-mêmes supporter groupe majorité à eux-mêmes. Et groupe majorité a les développé à partir d'une intelligence politique. Des monde qui a fait politique en d'un pays a, des monde qui dit têtio, gagner un danger qui planait là. On nous regarde comment nous avons fait ensemble. Comment construire ensemble. Cette intelligence politique qui n'a pas gagné des forces économiques derrière est importante, il faut qu'on dise, les développer, parce que l'autre, on y pense, ces forces-là, l'argent, c'est créer des fausses, des faux narratifs qui permettent que vous gagnez. Je pense que c'est parler mal, je pense que c'est dénigrer monde, je pense que c'est créer de bagailles pour permettre que Gonjan ait une opinion, c'est ça que tu as fait au gain. C'est l'intelligence politique. Et on doit reconnaître l'intelligence politique du sénateur Maurice Jean-Charles, qui n'est pas non dynamique de monde qui gagne en prend tout. Je dis, il n'est pas possible, il n'est pas concevable qu'un groupe politique, un groupe économique qui a pensé faire mémise sur la réalité de transition. Sinon, Ariel Henry t'a pris là. Sinon, aider Petit Dessaline, pas t'a fait manifestation dans tout le pays pour faire Ariel dans le camp loin, je dis. Pas de monde qui a fait. Devant, j'ai aidé Petit Dessaline à Clôture, pas de monde qui a fait. Donc, nous-mêmes qui croyons que pas de monde qui a fait, nous n'avons pas gagné perception de la transition. Donc, c'est pour me dire, encore une autre fois, pas de problème pour gagner, pour nous ressaisir comme acteurs, pour nous tourner parce que on était prêts. Les accords politiques, ça, c'est la conception, et les accords politiques, là, nous avons-ils. Moi, je suis en bataille qui est en secteur. Moi, je suis comment divergence exprimée. Discussion était intense. Bien contentieux tenté vidé. Bien secteur qui parlait à l'autre secteur, bien joué, mais nous finissons par accoucher un document que nous tous signons. C'est un événement historique. Nous devons préserver ça aujourd'hui. Mais comportement réchigna yo, c'est pas comme ça qu'on est capable de préserver. Donc, il est extrêmement important, je dis, pour ces groupes qui pensent, ou bien avec volonté hégémonique, qui ont imposé toute bagarre dans le pays, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas imposer à partir de tribus avec une volonté hégémonique pour penser qu'ils sont capables de faire toute bagaille. La démarche, encore une fois, pour contester ça qui fait là, n'est pas seulement antidémocratique, elle est raciste et discriminatoire. Docteur Claude Joseph. Parce que c'est Bayo, parce que c'est Maurice Jean-Charles. Qui doit Maurice Jean-Charles pour venir dégager une majorité côté Edouard Boussin a tenté dégager une majorité. Edouard Boussin, on conseille Edouard Boussin, on conseille ou bien le parti prenant plus? Non, son parti prenant, c'est ça comme si c'était il est du secteur privé. Il est du secteur privé. Et c'est normal. La démarche de M. Edouard Boussin, elle est normale. Ce n'est pas une démarche atypique. Non, assemblée politique. C'est normal de vouloir dégager une majorité. Elle n'est pas antidémocratique. Ce qui est antidémocratique, c'est de contester la création d'une majorité au sein du Conseil pour aider à débloquer la situation. C'est ce qui est antidémocratique. Mais elle n'est pas seulement antidémocratique, elle est raciste et discriminatoire. Parce que ce n'est pas majorité payo, c'est majorité pas nous. Qui doit Maurice Jean-Charles pour utiliser l'intelligence politique pour dégager une majorité au sein du Conseil, entre autres. Et voilà, compatriotes haïtiens, frères, nous tendez Cause yo pas petit non dans la République. Cause yo pas petit. Là, nous ka comprendre bras de fer ça qui existe, nous ka comprendre bataille ça qui existe, c'est pas une bataille qui prête pour finir. Pour qui ça parce que bon jouet coquin mesdames. Dès pour mon côté pas gain confiance, dès pour mon côté gain méfiance, pas rien cap marcher. Si ma veille ou a veille, nous non même caille, on gain marim, nous non caille, nous n'a veille l'autre. Manger sous table, ma veille qui est cap manger avant la veille qui est cap manger avant, la veille si m'pa mettre en bagaille, la veille ma veille si m'pa mettre en bagaille. Eh bien qui vit ça y? Donc journée jodi an, nous gon dossier pays, nous mettez pays en sous table, savez qui est cap lever couvre plat avant pour mon sauvion, savez qui est cap lever couvre plat avant fouré doit nan dirian, savez qui est cap lever couvre plat avant pour qui est sauce. C'est comme ça que vous voulez réduire pays, c'est comme ça que vous voulez réduire la vie peuple haïtien. Sous une base de méfiance, sous une base de non-confiance, donc mais qui sa réalité en journée jodi an. Non, un groupe qui pas de confiance. C'est un groupe qui a appelé pour le dissoudre, c'est un groupe qui a appelé pour le craser. Et par rapport avec la situation a évolué là dans le conseil là. Qui ça qui a passé? Est-ce que groupe minoritaire là, est-ce que yo a gagné assez, comment on te carrele ça? Est-ce que nèg ça yo, est-ce que yo pral gagner yon estime qui pral di yo bon comme bon bloc majoritaire et que nous gètan prétendre nous pas ka diriger, nous pas ka tirer sous ficelle là, est-ce que n'a démissionné? Est-ce que n'a plagué chat, est-ce que n'a plagué pied nous? Parce que c'est ça qu'a discuté là. Bloc majoritaire là. Bien que m'tap tande Gérald Gilles qui lui-même t'a dit que bloc majoritaire là, c'est pas un bloc dictatorial la pierre. Mais bloc minoritaire là lui-même, lui déjà marqué pas, lui déjà marqué position, son bloc minoritaire dictatorial. Donc par rapport avec situation sa compatriote haïtien frère, qui ça pral jambe ka pran en dedans conseil là comme décision pour fonctionner. A toujours gen tout tralala ça dans média, a toujours gen dénonciation, a toujours gen position ka pran, a toujours gen c'est tel qui voyo, c'est tel qui dehors, a toujours gen tout tralala ça. Et entre-temps, moun a mouri, entre-temps, bandi a marché, mette moun dehors la kayo, ou tant des armes à prendre, munitions à prendre, des possibilités pour bandi yo, des grenades, des possibilités pour bandi yo, même des missiles, etc. Et là, nous avons une situation chaotique. Là, nous avons une situation difficile. Si préalablement, moun qui t'a supposé entendre pour résoudre le problème, c'est yo qui véritable problème, non? Comment problème ça pral résoudre? C'est ça que fait dès le départ, on t'a toujours dit. On t'a toujours dit comment moun qui fait partie de problème dans journée jodi c'est yo même ou pral demander pour résoudre problème là. Pas étonné que nous un bloc minoritaire là, pas étonné que yo vinn di moun ça yo quatre groupes ça yo pire que Ariel. Rete là wa di. Ouais, Jean Montana, Jean Lavalas, Jean Montana, yo tap décrier Ariel, yo te doit Ariel pas vle consensus Ariel pas bon même. Yo gen pou yo di BMI, bloc majorité indissoluble blanc. Moun minoritaire sa yo gen pou yo di ouais moun sa yo quatre moun sa yo yo pi mal que Ariel. N'a di m'de di nous ça. Parce que c'est pas en question pays k'ap gérer. Journée jodi c'est qui est qui ka gagner pouvoir. Alors que l'on a parlé de nous dire son conseil présidentiel. Nous dit conseil présidentiel là moun qui appelle lui comme coordonnateur là moun sa compatriote haïtien frère chum li pap gagné c'est pas comme si son président la pied mais si nous connaît réellement le pap bien attribution président le pap tant qu'on président fait tout ça en président a fait pour qui ça gagne toute bataille ça nous tap seulement appliquer principe nous tap seulement dit bon OK comme nous une situation qui difficile et moun nous pral choisir et n'a pas kembe critère et faut moun sa pas konn nan voxal, faut moun sa pas nan corruption, faut moun sa pas nan volé, faut moun sa pas nan question et touye président Jovenel Moïse et faut qu'il ait compétence. Et puis n'avancer. C'est pas moun qui pral vinn supporter clan politique, mais non. Tout nèg besoin cob, tout nèg besoin plein poche, tout nèg besoin gon moun qui bien placé pour les pral gagner élection pour ka joine cob dans trésor public là pour al financer campagne yo. Donc, journée jodi, compatriote haïtien et frère président conseil présidentiel là, Si nèg yo te mette nan tèt yo, nèg yo te entend yo, pa ka jouer rôle président pays d'Haïti à proprement parler, pa t'a gen toute bataille ça. C'est parce que nèg yo connaît. Coordonnateur conseil présidentiel, c'est le président des présidents. Tout pouvoir c'est nan men li pral lié. Vous comprenez? Tout pouvoir pral nan men, et comme tout pouvoir pral nan men, eh bien faut que li nan campagne. Et si c'était bloc minoritaire là, et si c'est eux même qui étaient majoritaire, est-ce que journée jodi yo t'a gen même comportement? Et si c'est majoritaire là que minoritaire, est-ce que yo t'a gen même comportement? Il n'a jamais été question de pays. Il n'y a pas de jamais question de stabilité, il n'y a pas de jamais question de consensus vrai. Bras de fer, ça, sinon, il n'y a pas d'exister, je ne dis pas. Compatriotes haïtiens, frères, chums, causez yo pas piti dans la coupe pays d'Haïti. Mais pendant toute parole, ça yo a parlé, nous-mêmes n'a prêté focus, parce que bataille contre le système, non, nous pas kabaye vague, nous pas kabaye les gains. Travail pour nous réveiller conscience, peuple haïtien, pour nous montrer, peuple, c'est yo gain droit journée aujourd'hui. C'est yo gain responsabilité faire bataille pour changer pays parce que pas aucun vagabond qui vient changer pays pour nous. Le ça n'a comprendre importance, n'a comprendre réelle force nous dans balance. Compatriotes haïtiens frères chums, c'est là n'a metté en bout dans émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous partager information si là avec vous. Restez connecté à Channel là pour reste programmation. Rendez-vous en casse dans l'autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis il fait 2 heures de chez Channel Paul là, pour bien informer avec Yanick. Mon éditorial. Nous bras la vallée, nous bras le débat.